Salut à tous, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Play, cette fois-ci sur South Park, The Stick of Truth, le bâton de la vérité. Alors, on va faire plusieurs choses d'abord, à savoir que il y a certains trophées qu'on va faire ici aujourd'hui, parce que là, dès la première game, j'ai fait plein de trophées. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que la première chose que je vais faire, c'est que je ne vais vendre aucun objet. Et que vous allez voir faire des trucs un peu chelous, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc, pas vendre d'objets, c'est parti. On va faire nouvelle game. J'ai une classe spéciale à prendre. Spécifique, je veux dire. Je vais vous laisser profiter de la cinématique. The humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war is soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the drow elves can manipulate his land, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Voilà. Alors, si je me souviens bien, ma couleur de peau, je suis un petit peu bronzé. Quoi, attendez. On va mettre ça plutôt. On va mettre en violet. Voilà. Et en vrai, je porte des lunettes, mais on va dire que non. Mais j'en profite pour manger mon chocolat chaud. Allez, je perds pas le temps moi sur l'écran de sélection. Enfin, l'écran de création. Et donc voilà, on est à nouveau et on arrive à South Park. Et si possible, j'essaierai de faire la suite, la nage du destin. Well, I think that's everything. We did it, hon. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? Et mes parents, ils ont la même couleur de peau que moi. Je me demande ce que ça aurait fait si j'avais mis noir. Faudrait que j'essaye. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hon, you all dressed? Non. Hey, Jamp, how do you like your new room? C'est vide. Son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Non? Yeah, we love you too. Ok. Alors. Alors, je pourrais aller prendre ça. Oh, j'avais pas fait gaffe le niveau. Niveau 2. Ouais, non, je vais rien prendre. Alors, c'est parti. On est donc à nouveau. Et on entre dans South Park UPS. Alors, oui, je vais tout fouiller, hein. C'est ça un peu le truc. Allez. Surtout qu'on va trouver de l'espèce partout. Ah ouais. Meilleur truc, meilleur mini-jeu du jeu. Il y a un trophée à faire. Il y a un trophée à faire en lançant votre merde sur un ennemi. D'ailleurs, si vous attendez trop longtemps, votre père il vous fout à la porte. Alors, excuse-moi. Merci. J'ai 2 dollars.
$7.44. Bon papa, salut. Bon papa, on se voit ce soir, salut. Tu, je me promène dans South Park. Bon, par contre, je vais que sprinter, hein. Yes. Je suis à $8.94. Oui, parce qu'on ramassera que des cents. Hey, casse-toi. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Si tu veux. Speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Where do you like to go moving here? Je sais pas. Do you like Colorado? Oh, bof. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. J'espère que je vais tomber sur ça, Jeski. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Scott, Kenny, Clyde. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, désolé, is je piche pas l'anglais, vieux. Lovely Princess Kenny, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. D'accord. Ok, bon, salut les gars, hein. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Alors, je me vais appeler Thomas, mais vous allez voir. You entered douchebag, is that correct? Alors, je peux dire non, mais en vrai, pour le trophée, je dois dire oui. Are you sure you want to keep the name? Voilà, peu importe ce que vous avez dit, il va dire ça. Oui. Very well, douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, voilà, acceptation. A mage is like a fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Faut que je prenne cette classe. Welcome to the KKK douchebag de Jew, who probably can also handle our finances. Hooray! Connard. Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Donc du coup je vais aller voir Clyde. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Don't waste your money on tips and rumors. Connard, j'avais oublié ça. Ah, a lovely purchase. Voilà, maintenant j'ai une arme. Qui est un bâton, qui est une canne. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and with the bravery of a noble knight, speed up time. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Maintenant on va botter des fesses. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Alors. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Tiens. Oh, shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. Alors, attends deux secondes. Histoire que vous m'entendez bien.
barrier down. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Alors, aptitude. Tiens. We don't wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Die. Non, je ne crois pas. Je vais finir à la fronde. Hooray! Dude, that was awesome! You were all like, beam, and Clyde was all like, nah, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see. Désolé, Clyde. Would you like to see my wares, weary traveler? Putain, y'a une arme qui est carrément plus puissante que la mienne. Wow, 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 wow. Allez, go. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Oh, y'a pas de trophée pour... Oui, y'a pas de trophée pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Oui, ils vont tous m'appeler connard, hein, juste pour info. Touche pas Scott McKinson, toi! Do it, douchebag! Kick these elves' asses! Blocage. Kiss my ass! Non. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Là, il m'apprend les passes du jeu. Miam, 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 miam. We'll say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Suck it! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. Tiens. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Putain, je suis... Ah, c'est la vache, c'est puissant le bâton. Merde, merde. My bad. Allez, fous-moi le camp, toi. Ça va, Scott? Hey, hey, le chat! Alors... Merde, alors riposte. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Non, je ferai pas ça. Aïe, voilà, pourquoi? Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Tiens. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Oui, donc là, Cartman nous apprend bien comment jouer au jeu. Tiens, dégage. Et je dois surtout pas oublier de looter les ennemis parce que parfois ils ont des trucs intéressants, genre des armes et des armures. Butters, t'as pas la tête, défends-toi, bon Dieu. Ah, ton de Dieu, Butters, défends-toi.
Ah, il se passe, donc je peux pas l'attaquer. Hey, connard! Ok, that guy has a shield. Shields are super weak, just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Hi, hi, sir! I don't think so. Oh. Hell yeah, that's how you do it! The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor! Oh, motherfucker! That's it, now finish him! Ah, j'ai jamais eu celui-là, motherfucker! Ah. Perfect. Drow elf, fall back! Fall back, I said! Yeah, awesome, dude! Take that, you asshole elf! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking cow. Comment il a réussi à se le faire piquer maintenant que j'y pense? Clyde, you are hereby banished from space and time. What? No, you can't do that. Yeah, I can. You're banished and lost in time and space. Yeah, go home, Clyde. You fought bravely on. Comment il a réussi à se le faire choper, surtout quand tu sais qu'il l'a pris en fait. Anyways, we have a bigger problem now. Monsieur le diabète. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware, the lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go, and send my warriors here. Aye, aye, sure. Guess I'm minding you shop now. You need any weapons or armor? Got some pretty good wares here. Alors, je vais prendre ça parce que c'est plus fort. Attendez. 18-26. Good choice. A nice purchase. Et voilà, j'ai Scott Malkinson en tant que pote maintenant. Et je vais prendre le... Je pique le casque à Clyde. Ah, je suis des... Ah, ah oui, parce qu'ils sont au level up, 16-23. Je vais te prendre ça, du coup. Je suis trop con, j'ai dépensé trop de thunes là pour le coup. Surtout que j'ai le droit de rien vendre. Ah! Exact. Aptitude. Alors, ça faudrait que je le teste, mais d'abord je vais faire ça sur la fronde. Allez. You kids be careful now. Bonjour Madame Cartman. Et Monsieur Cartman aussi. Ah oui. Timmy. Alors avant qu'on y aille, il faut que j'aille faire un truc dans la chambre de Cartman. Faut que je récupère un truc pour un trophée. Ce qui est là. Alors on va vérifier check ça tout de suite. On peut voir le disque rose, la tenue du Coon. Le costume de robot pour Halloween et plein d'autres trucs. Mister T. Merde. Clé du domicile de Butters. Attendez deux secondes, je l'ai pas pris. Merde, non. Merde, faut absolument que je le trouve. This is where the magic happens. Last week Cartman's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. Merde alors, bah il est où le truc? Smells like the wizard is brewing some potion in here. Some wizards do. Oh, looks like he forgot to flush this dude. Fuck. Merde, alors deux petites secondes. Alors, il y en a un où je sais où il faut aller. Boucle de cartes.
Jambes de Cartman, putain de merde. Où ça? Je l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il est dans son garage. Ah non, il est là. Ok, autant pour moi, ma boucle de carte maléfique, je l'équipe tout de suite avant que j'oublie. Et l'autre truc, je sais où il est. Alors oui, je vais beaucoup. Ah. Les films Pokémon, c'était dans un épisode, je ne sais plus lequel, mais je m'en souviens. C'est en gros une parodie des Pokémon, je pense que vous aurez dû le comprendre. Doogie! Bonjour Madame Stutch! Bonjour Monsieur Stutch! Alors on va sur les amis très facilement, il y en a 120 sur total. Welcome, Toom! Welcome! Oh maman! Ouais, j'en ai deux, il faut en avoir 30. Non, 20. Attendez! C'était 30, ok. 30 pour avoir un nouvel ami. Qui est du garage de Stutch. Faudra pas que j'oublie un truc à faire quand je serai au bahut, moi. Parce que c'est à cause de ça que j'ai raté un trophée. Parce que oui, il y a des trophées manquables. Et celui que je viens de faire là, acceptation, il en faisait partie. Parce que si on faisait non tout le temps, bah on l'avait pas. Je devrais peut-être continuer à faire la mission principale, mais en même temps, je sais pas pourquoi, je fouille un peu tout. Histoire. Les gants de droïde, ça va être utile plus tard. Hop, un autre chip Pokémon. Ça m'en fait 3. Hop là. Oui, j'ai l'air bizarre avec mon bouc. Timmy! Pas pour tout de suite, Timmy. Ah oui, j'avais oublié cela. What's up, les nazes? Ah ah, attaque améliorée. Et bouffe mon épée, toi. Oh merde, le bâtard. Allez hop. Alors, je vais m'occuper du mage en bas. Ah, c'est vrai qu'il va m'apprendre. Merci, Butters. Alors, faut que je m'occupe absolument du mage en bas à droite parce qu'il peut m'être handicapant. Surtout qu'il peut régénérer ses potes. Tiens. Sauf si je les fais fuir. Merde! Oui, il faut que je boive. C'est de l'eau ce qu'il me donne. Glou 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 glou. Alors toi tu vas dégager Dardar. Fous-moi le camp. Merde Butters. D'habitude j'arrive bien à les esquiver ça. Voilà, j'ai tout cassé. Alors ça va être l'affront pour celui-là. Ouf, one shot. La musique qui s'emballe derrière, trop cool. Pas besoin de me soigner. Ça va Butters? T'inquiète, je l'ai fini. Et il y a un trophée que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je devais laisser mourir personne. En gros, dès que y en a un qui crevait, je devais recharger la sauvegarde. Là, je peux laisser crever, surtout qu'il y a un trophée que je dois faire.
Je dois les laisser crever. Ah oui, j'ai besoin de plus d'amis pour elle. Merde, j'avais dit que je devais m'occuper des matchs parce qu'ils m'ont... J'ai dit qu'ils m'allaient être handicapants. Ah non, il a pas réagi son pote. Ah bah super, c'est un gros con. Allez, fous-moi le camp. Youhou! Il est où son pote? Bon allez, on y go. Que je regarde. Ouais, il faut que j'aille activer un truc d'abord. Ah, je crois qu'il y a certaines maisons, je sais plus c'est lesquelles. De Jimmy. Ça, je sais pas comment je peux... J'ai plusieurs carrés pour te prendre. Hein. Non, celle-là, je ne devrais pas. Parce qu'il y a des trucs un petit peu crades. Cadeau disponible, j'ai cette pote. Alors, j'ai pris des trucs plutôt spéciales. Alors, que je regarde bien. Attendez. Que je me mémorise. Oui. Ah, Betty Donovan, on est chez Clyde, là. Betty qui est morte de façon crade. Coiffe de druide. Si vous connaissez pas la série, c'est spécial. Tiens, ton bonhomme de neige. Je peux pas aller chez Clyde, hein, on peut pas y aller. Je sais plus si c'est... Ah bah oui, c'est Craig. Et lui, il s'appelle Thomas, comme moi. Thomas... C'est quoi déjà le nom de famille de Craig? Ah, ici, c'est... C'est chez le taré de Star Trek. Et croyez-moi bien que je vais faire toutes les missions secondaires qui vont m'être données. Avant de continuer la mission de base. Parce qu'il y a certaines missions secondaires qui peuvent être loupées. The captain is my mom. I came outside when she's at home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder. It's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Ok, donc lui c'est un gros fan de Star Trek, vous voulez bien voir qu'il y a Leonard Nimoy, hein. Rest in peace mon cher. Et du coup, je vais aller chercher son iPod qui est à l'église si je me souviens bien. Ah, c'est fermé. Il y a des portes fermées, il me faut des clés. J'ai combien en dollars, pour le favori? 18 dollars. Il faut que j'économise un max pour une arme qui est la meilleure arme du jeu, surtout niveau contact. Donc croyez-moi bien que je vais rien dépenser en termes de potions, surtout que j'ai mis le jeu en mode facile. Là on est surtout là pour de l'histoire, et surtout que je voulais faire un let's play de South Park depuis que j'ai vu ce de Koopa que j'adore. Intelligence du mal, ça c'est pour toi Koopa. Bon ok, je suis pas aussi populaire que Koopa, mais... Ah, je ne peux pas, je n'ai pas... Dégage, Butters. Ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, si j'essaie de rentrer... je pense que j'aurais peut-être mis une censure, là, en fait. Les elfes. The stick is ours. Alors c'est bizarre parce qu'ils disent le bâton est à nous. Ah non, c'est logique en fait. Allez hop, t'as plus ton bouclier toi. Eh merde, il s'est rajouté de l'armure. Posture de renvoi, donc là je peux pas lui tirer dessus. Ah là par contre lui il faut que je lui tire dessus. Alors oui, s'il s'en prend une cabotteur, c'est normal parce qu'en fait, lui, c'est le souffre-douleur. Donc voilà, ils vont surtout s'en prendre à lui. Donc quand je serai au bahut, je devrais prendre un autre personnage.
Merde. J'ai ripé, je voulais appuyer sur X, mais j'ai appuyé sur carré. Oh là, j'ai pas terminé à me rater. Là, Butters il s'en prend plein la gueule. Ah, ce coup-ci, c'est pour moi. Allez, dégage. Bon, allez, suffit. Voilà, je sais pas comment il a fait pour passer les autocutés lui-même. Ah oui, il y a un trophée à faire si vous voulez. En gros, faut tuer 3 mecs alors que votre pote il est hors jeu. Mais bon. Moi je l'ai fait surtout à la fin en fait, j'en ai essayé à mourir. T'inquiète, je suis là, Butters. Vous inquiétez pas, il va pas crever, il va revenir. La vache, c'était. Il était ardu ce combat. Ça va, Butters? Et notre vie elle régène, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez voir. Merde, reprends. Hop, j'ai plein de teintures. Là, j'ai débloqué l'école. Et ici, il y a un truc que je dois pas oublier. Ici, il y a un secret. Voilà. Ah, je vais vous montrer plein de trucs, hein. L'église maintenant. L'iPad de l'autre, comme ça je vais pouvoir lui donner. Je devrais peut-être faire ça quand j'aurai parlé à quelqu'un. Alors j'ai utilisé Timmy pour la première fois. Timmy, oh purée, en parlant de quête secondaire, j'ai un truc que j'ai pas fait. Maintenant que j'y pense, il y a une quête secondaire que j'ai oublié de faire. Tiens ton iPad. Et hop là, j'ai un nouveau copain. Missile ralentissement, ça... Ah purée le bête, c'était niveau 4. Bon, tant pis. De toute façon, je vais farmer, je vais pexer beaucoup, alors... Et quand cette vidéo sortira, eh bien le lendemain sortira un autre jeu, un jeu ultra attendu, ce Elden Ring, dont je ferai un let's play. Kenny, t'as pas un truc à me dire? Voilà, fleur pour une princesse. Et tu comprends à moitié ce qu'il dit, Kenny. Enfin, en VF, j'arrive facilement à comprendre ce qu'il me veut. Mais en VO... Et voilà, j'ai Kenny pour copain maintenant. Ah ouais, 9 nouveaux amis. Ça va te faire foutre de nouveau. Tout allait bien avant que tu te pointes. Tu ne perds rien pour attendre. Et je peux supprimer. Ah non, il y en a qu'un que tu peux supprimer en fait. Je viens de me rendre compte, les autres tu peux que les laisser. Et Clyde, c'est le seul que tu peux pas avoir en copain, hein, juste pour vous dire. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille chercher Token et Craig. Enfin, Craig, c'est pas pour tout de suite. Il faut que j'aille d'abord chercher Token et Tweak, du coup. Tweak et Craig qui seront ensemble dans une des saisons. Avec l'arrivée d'un personnage que j'adore. Alors on est chez qui là? Ah, meilleur personnage du monde. Charles, c'est le majeur dans le salon, connard.
Alors, il y a une pièce où on peut pas rentrer. Le guerrier de la route. Bon d'accord, laisse tomber. Ah oui, ça c'est important. Ça, ça sera pour tout à l'heure, mais je m'en souviens. C'est la photo de Wendy. Tout ça, je vendrai en temps et en heure, mais après avoir fini le jeu. Il y a une pièce où on peut pas aller parce que c'est, il y a une quête. Par contre, je fouille pour me chercher de la tutune. Je suis à 30 dollars. 32 dollars maintenant. J'ai l'air bizarre avec mon, ma barbe. Hop. Hop là. 33 dollars. Je suis riche, messieurs. Parce que oui, il y a un trophée qui va me demander d'acheter des armes. Et ça va, et quand j'ai vu ça, j'ai vu que ça allait jusqu'à plus de 800 dollars. Heureusement, on peut vendre notre arsenal dès qu'on les a trouvés. Tiens, monsieur Brofchowski, qui est avocat. Ok, j'ai toute la tenue de druide. Dès que je serai niveau 4, il va falloir que je me l'équipe. Bonjour, monsieur. Ah, bah merci. Salut, gamin. C'est vrai que je peux péter maintenant. Ah, alors c'est ici que le truc. Ah. Salut Ike. Ike Brofloski. Bon, bah oui, va falloir que je les trouve pour m'en faire des copains. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre objet important pour mon trophée. Un truc que vous devez savoir, c'est qu'il faut péter sur les gens. 100 personnes et 25 animaux. Douze amis, cadeau obtenu. Alors, pardon. Ah, votre santé augmente de 20%. Alors la banque, c'est une arnaque, faut pas y aller. Le con. Ici, il y a un chimpo common. Ah non, il y a un gamin. Allez, salut. Eh, il y a un trou, j'avais jamais fait gaffe. Arrête, Butters. Et il a rien dit, c'est un gros con. Officier Barbrady. Ok, ici, il y a la mère de Stan. Je vais juste lui prendre un petit truc. Voilà. Ça m'a coûté que 2 dollars. Mais il y a un truc bien pire ici. Regardez. Ah, c'est l'offre l'inimitable. Et il y a un trophée à faire. Faut finir le jeu avec cette gueule là. Et c'est le truc le plus cher du jeu. Heureusement que tu peux récupérer ta gueule plus tard. Parce que j'aurais pas apprécié de faire tout le jeu avec la gueule de cette offre. Parce que les perturbants ça te tronche. Mais bon, je vous recommande de faire ça dans votre première run. Puis d'en faire une autre. Même si on peut tout faire en une seule run, en abusant de la sauvegarde. Je sais pas qui c'est. Je crois que je la vois souvent. Arrête, Butters! Bon, 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 on va continuer. Là, je peux pas y aller parce qu'il me faut un truc.
Et le chat. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, did baby lose her toy? Who's that? Beat a kid if you know it's good for you. On va te massacrer. Ah, je dois juste pilonner. Étourdi. Ah, ça c'est puissant. Alors, Butters, tu veux m'occuper des deux derrière? Nice. Ah non. Et pipipiou! Celle qui est étourdie, je peux m'en occuper plus tard. What the? I really feel sad for you. You like beating up on girls? Oh, I hope he didn't break it. Oh, phew. He thinks I owe you one, kid. Yeah! Bonjour, Madame le Maire. Maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop. Ouais ouais. En attendant, je vous pique tout, hein. Ça vous dérange pas? Chim Pokémon en vue. Ah ouais, y en a. Voilà le père, hein, que je... la personne que je voulais voir. Ah ok. Voilà la personne que je voulais voir. Quoi? Ah putain. 41$, j'y suis presque. Bonjour mon père. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Alors, c'est bon, moi j'ai eu... En fait, là, je suis sur deux trucs. Là, j'étais en train de regarder les streams sur Overwatch pour avoir tous les trucs. Parce que oui, il y a un truc sur Overwatch que je ne ferai pas immédiatement. Mais je le ferai parce que là, je suis occupé. Hein, je suis occupé. Alors, toi tu vas dégager tout de suite. Fous-moi le camp. Youhou! Merde, attaque élevée. Je crois pas, non. Fous-moi le camp toi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez, mes cons? La tutune, c'est bien aussi. Alors, ici il y a des trucs à récupérer. Par exemple, un Chim Pokémon. Descends de la Butters. Ouais, bah casse-toi! Ok, mais vas-y! Tac, tac, tac. Chemin d'or qui brille. Ça, c'est pour un trophée aussi. Comme je vous l'ai dit, il faut rien que je vende, hein. J'ai surtout acheté. Tac, 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 la caisse de la cellule. Voilà, comme ça j'aurai le dernier truc. Voilà.
Allez, demi-temps pour aller chercher le dernier item, comme ça, je vais pouvoir aller faire le truc. Salut. Et voilà, le faux crâne, faut que je vais m'équiper tout de suite. Et du coup, je vais pouvoir aller faire la mission à Tweak. Donc, on y va, dardard. Ouais, je vais enlever le casque là. Comme ça, vous voyez à peu près la gueule que j'ai. Tiens, d'ailleurs, je vais changer de tenue aussi. Et vous voyez que j'ai la tête d'Heisenberg. Voilà, voilà, dans Breaking Bad. Le chat, casse-toi. C'était gratos, hein, juste pour info. Eh mais oui, ça va. La banque est la belle arnaque que j'ai eue. $46, eh, quand même. On s'approche des 75 qu'il me faut. Le cinéma. Voilà. Philippe et Terence. Salut. Ouais, ta gueule, c'est bien. Hop là. C'est un labyrinthe, ce machin. Alors, les aptitudes. Top là. Alors, va falloir que je me bouge le derche. Ah bah tiens. Oh putain. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Manbear Pig. Yes, the Manbear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Manbear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. C'est très sérieusque. Manbear Pig is here or not. C'est très sérieusque. Ok, mais lui je le ferai en dernier. Lui, il faut que j'aille voir Tweak maintenant. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? Hey, not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. On va aller voir Tweak, monsieur Tweak. Ah, je suis vrai que je dois lui acheter des trucs. Salut, Tweak! What's up, bro? What's this? Ah, now? The guy see me now? Who's gonna wee me? I've way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait, you! Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Ok, j'y vais. Putain, il va péter un câble. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. T'inquiète, je vais m'en occuper, de toute façon je devais le faire. Activer notre checkpoint. J'aurais dû activer le checkpoint ici, je suis trop con. Bon. Attendez, je suis niveau 2. Ah non, mais j'ai pas monté de level, qu'est-ce que je fous? Salut!
Oula, on est à 50 minutes, j'ai intérêt à me bouger. Donc, on va aller immédiatement faire le trophée et après je vais couper pour la vidéo. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Ok, merci Madame McCormick. Faudrait que je vienne vous voir. Alors attendez, faut que je regarde bien si j'ai bien. Alors Bookman et Cartman, oui. Faux crâne. Est-ce que c'était bien ça? C'est bien ça. Donc, les. Tenez. Dis mon nom. Mais tu vois pas, mec, je suis Heisenberg, abruti. Ouh. Allez pour les deux. Allez, fous-moi le camp, toi. Nice, plus qu'un. C'est bon. Normalement, le trophée devait tomber. Yes, Heisenberg en plus, c'est nickel chrome. Alors, deux petites secondes.